Monsieur le Président, on peut légitimement s'interroger sur la situation critique que traverse la société française. Ne pensez-vous pas y être sourd, voire impuissant ? J'ai beaucoup de défauts et on peut toujours faire mieux. Mais je ne crois pas avoir été sourd. C'est une attaque de drone ! Oh, putain. Vas-y, viens ! On y va, vas-y ! Fais-moi des images, là ! C'est bon, à moi ! Des civils, des enfants, des hommes, des femmes. Alors ? Super, regardez. C'est incroyable comme les gens t'aiment. T'es la plus grande journaliste de France. Pourquoi ce besoin de vous mettre en scène ? Le gars qui est là-bas, là, il se lève et il brandit son arme. Action ! Allez, cela ! Coupez ! J'ai l'impression d'avoir une mission. Génial ! Talent qu'elle a, cette fille. Vous savez tout, c'était formidable. Formidable ? C'était formidable de pas mourir ? Vous les journalistes, on change rapport. Vous courez après l'audimat. Et donc ? Alors vos leçons de morale, vous les gardez pour vous, les vôtres et vos idiots utiles. Ça va aller, ma puce, on va aller chez Dior pour choisir les bijoux et la robe. Je ne supporte plus le regard des gens. Les gens vont te détester, puis t'adorer, c'est la même chose. Je ne supporte plus mon mari. C'est pas ton argent, c'est notre argent. Je gagne 5 fois plus que toi. Ça explose. Putain, mais merde, mais qui ? C'est génial. Théâtre à la con. C'est ça la matière des icônes. Elles sont faites de debout. J'en crevais de ce métier, tu sais. Elle pleure la France maintenant. Cette célébrité s'y démonte. C'est ça la télé. Crois-moi, c'est comme ça que ça marche. Le pire, c'est le mieux.